Pour présenter au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubois. Sans perdre du temps, mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité, sur ça qui vient pour avec question note qui sortit contre Maître Caleb Jean-Baptiste, sous question et arrestation, il était fait contre Yael Jouane Clérier Zrek, et bien Maître Lol Georges, lui-même face à la décision, ça, il voyait jeter bien loin, décision conseil l'ordre avocat qui a annulé, dans une correspondance temporairement autorisation pour Maître Caleb Jean-Baptiste s'en plaide pendant 6 mois. Dirigeant Fonodz la, qui c'est organisation résistance pour Haïti Stavak démocratique qui gagne en tête li Rosemont Jean, li dénoncé lundi 19 juin 2023 comportement bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince Maître Marie-Suzy Legault face à Maître Caleb Jean-Baptiste après arrestation Yael Johan Clérier Zrek pour escroquerie. Dirigeant Fonodz la déjà fait connaître lui-même l'a supporté Maître Caleb Jean-Baptiste face à dossier si là. Directeur interne comité 100% diaspora Jacques Gary dit au constaté pays apprend dans un complot oligarque société civile à quelques organisations droit moun qui prend initiative pour plonger pays d'Haïti dans plus crise liée jeudi d'après Jacques Gary. Migration forcée en Haïti cause conséquences et perspectives de solutions durables. C'est en baptême ça, groupe appui pour rapatrier à réfugiés gars organisé une conférence en débat. Journée lundi 19 juin 2023 dans le Calio, zone Crissois, dans centre-ville Port-au-Prince. Activité ça réalisée en prélude dans journée internationale réfugiés cap célébré dans date 20 juin 2023 cap Vinila. Ambassade américaine en Haïti qui situé dans la commune Taba, département l'Ouest pays d'Haïti, dit en état d'alerte à cause bandit cap boukante coup d'zam avec la police dans le cadre d'une opération anti-gang force l'audio a mené dans la zone Torsel. Côté en pile coup de balle, pas suspendu tiré entre la police et bandit dans plusieurs zones qui pas trop loin avec l'ambassade américaine. 19 avril 2023, 19 juin 2023, bail 2 mois depuis Neg Axam a été attaqué localité sous ce matelas. Eh bien, vice-délégué arrondissement à Kaye a déclaré situation sécuritaire région bouleversée en pile. Côté que Pierre Christian, Jean, lui-même qui m'a dit pouvoir central pour capable rejoindre dans le cadre de bataille si là pour capable rétablir sécurité dans l'arrondissement. Zami internautes, c'est ensemble point sa yo à divers slots qui peuvent faire essentielles informations dans la première sortie journal TAC 509 pour jeudi, lundi 19 juin 2023. Rete branché, Naptoune pour développement information. Yo. Merci à tous les amis internautes qui t'ont choisi brancher plateforme TAC 509 pour être capable d'informer yo. Bienvenue dans le développement journal. Un journal qui rêve possible grâce à journaliste et technicien TAC 509. Yo. Pour présenter le journal, ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubois. Jean nous t'a annoncé au nom grand titio, n'a démarré journal là avec dossier justice, côté que Maître Reynold Georges envoyé jeter bien loin décision conseil Lord Avocat yo qui a annulé dans une correspondance temporairement autorisation pour Maître Caleb Jean-Baptiste plaider pendant 6 mois après que l'été fin fait arrestation citoyenne Yael Johan Clerier Zrek pour escroquerie pour constitutionnaliste là, n'a parlé de Maître Georges, action ça, inconstitutionnel qui selon lui-même violé article 28 constitution 1987 là qui clairement dit que tout haïtien a droit pour exprimer librement. Maître Renaud Georges souhaitait conseiller l'ordre avocat yo ressaisir yo pressé dans cadre dossier si là en écouter déclaration Maître Renaud Georges qui était dans micro journaliste à 509 qui est en danger. Et moi-même, moi, contre notre ça, que conseil de l'ordre de la sortie, contre Maître Caleb Jean-Baptiste. Au motif que la Constitution République, là, que moi j'ai écrit, en son article 28, il dit clairement et sans embarras, article 28 de la Constitution, il dit tout Haïtien a le droit de s'exprimer librement, en toute matière, par la voie qu'il choisit. Donc, si M. Jean-Baptiste décide de parler dans la radio, il va aller dans la radio, dans la télé, il va aller dans la télé, sur WhatsApp, il va aller sur WhatsApp. M. Caleb Jean-Baptiste, libre de ses moyens, moi-même, moi, j'aime parler avec Batonia, je ne suis pas d'accord avec Bagaïsa, parce que je ne vais pas mettre Babouquette dans la bouche. Avec Babouquette, là, tombé depuis 1986.
Donc nous ne pouvons pas remettre par avocat. Non, mon avis dit que le décret soit avocat. Mais le décret n'est pas plus fort que la constitution. Et le problème, nous, en Haïti, que nous toujours en crise, c'est parce que nous ne pouvons pas respecter la constitution. Et comme je dis à Ariel, la solution de la crise dans la constitution, c'est vrai ou pas vrai résoudre la crise là. Il y a l'article 59 là qui dit que le président ne parle pas du tout. Et il y a l'article 58 là dans la constitution qui dit que si le président est absent temporairement. Tout le monde voulait une constitution par eux. Chaque monde veut une constitution dans la poche. Qui paye nous avec ça? Donc nous ne pouvons pas résoudre aucune crise, nous toujours à boumer. Et puis, il y a Michel Eden qui a gagné l'argent pour trouver nous tous. Journalistes mourir, ou bonnes policiers mourir, mal, ou bonnes haïtiens mourir, mal. Et juste hier soir, comme de dire, il y a tout le monde. Mais il y a parce que, debout, le monde n'a pas d'intérêt, nous ne pouvons pas parler de la langue. L'intérêt étant le mobile de toutes les actions humaines. Donc moi-même, c'est ça, je me suspecte. Même avec le candidat Baptiste là, moi-même, je vais jeter dans la poubelle. Est-ce que vous avez un droit sur le candidat Baptiste? Bon, le candidat Baptiste pas dans le barreau pour vous. Le candidat Baptiste dans le barreau à Quin. Mais cependant, étant donné qu'il y a la fédération des barreaux, tout avocat plaide tout partout. Même pour le de Okaï, pour le de Gounaïf, vous êtes tout à tout. Ok. Qui poids aligné? Oui, oui, notre qui se tient. Bon, même tous les constitutionnels, même pas avec aucun poids. Vous n'avez aucun poids. Comment est-ce que madame Zekla? Si vous allez voler, arrêtez-vous, vous arrêtez de dire. Si vous voulez bagaille, mon Dieu. Je ne vais pas dossier. Je ne vais pas dire voler, je ne vais pas voler. Mais si il volait. Arrestation tête droite. Donc, quel est le maître pour nous livrer les affaires, ça dit, on va connaître. Donc, moi-même, écoutez. C'est ça la loi dit. C'est des déclarations, maître Reynold George. Maître Caleb Jean-Baptiste démission parle comme avocat institutionnaliste, pas là pour craser aucune institution. Dans le pays, pendant les qualifier notre bâtonnier, l'ordre avocat Port-au-Prince, comme une note dilatoire. Et puis, qui en dehors la loi qui la cause, 80% avocat dans le Port-au-Prince, fâché et puis mauvais coucon, d'après maître Jean-Baptiste, qui dit tout le temps la vive dans le pays, forme arrestation sa yo a toujours fait. Sous quelle que soit catégorie moun, l'Italia la en bacode, toutefois moun sa a violé la loi, selon homme de loi, qui dit l'ité saisi à prendre sur réseau social yo, maître Marie-Suzy Legault traité comme Izzy Pater titre. En écouté, maître Caleb Jean-Baptiste qui a dit plus dans le micro journaliste en TAC 509. Moi, saisi à prendre. Sur les réseaux sociaux, moi, bâtonnière, bah, au bord de près, merci, Zile Gros, traité moi-même, maître Caleb Jean-Baptiste, qui fait étude moi dans le lycée. Vous comprenez ça, quand choqué, moi, dans l'école, vous êtes peut-être. Fait étude primaire moi et secondaire moi classiquement dire comme ça d'autres termes dans lycée m'entrer dans faculté l'état et puis moi fait ça au les mémoire me fait 77 etc. et m'entrer dans barreau d'Aquin que si on n'a pas au moins plus remain dans pays a et on n'a pas au qui plus ancien dans pays a et on n'a plus grand barreau dans pays a et on n'a pas au qui bail monde de caractère dans pays a tout. Pour qui ça? Moi gagné plusieurs confrères qui étaient au petit monde des affaires dans le barreau parce qu'ils ont demandé de me transférer en tant que membre VSA, voix du salon des avocats, qui étaient qu'on conseiller, qui étaient référé conseiller dans l'élection en tant que des jeunes qui se force pour ça. Mais j'ai toujours dit non et m'a toujours dit non. Pour qui ça? L'article 52, décret 29 mars 1979, en l'éclair. Article 52 à Zim, avocat militant, il plaide dans toute juridiction net. Avec un avocat en barreau, c'est avocat de la République. Mettre Caleb, je ne suis pas avocat en barreau lui-même. Si on connaît ça avocat en barreau, ou même pas Mettre Caleb, je ne suis pas avocat de la République. Et on qui connaît Jacques Mel là,
Ouais, moi pas placé machine ma premier avion Mali. Balblé. Si vous avez votre côté avec arrestation. Si vous avez votre côté, même c'est avocat de la République. Mais en tant qu'avocat de la République, si je prends un côté, parce que je prends un côté, c'est ça que définit le conseil là, nous pouvons faire des routes dans le barreau pour dire que je ne suis pas en sanction. C'est ça seulement que je prends dans le barreau. Le barreau, on fait des routes qui sont moins qui disent que je suis en sanction. Je vais faire des routes pour nous. Très bientôt, je vais faire des routes dans la réforme. Qui dit que je suis en sanction. Et puis, immédiatement, je suis en sanction dans le barreau. Je suis avocat de tous côtés. Mais je vois que notre ça, son notre raciste, son notre très intéressé. Son note qui sale l'image profession. Son note qui sale l'image barreau Port-au-Prince qui sont grands barreaux tout. Même j'ai barreau PAM, même j'ai plusieurs autres barreaux. Son note qui sale l'image corporation. Côté que yon institution, yon vle kras institution dans le niveau qui pi bas. M'te ka aller pour m'te dire plus bagay de barreau. Mais non, son institution. Mais que même que y a des mouns qui étudie l'institution pour les affaires personnelles, mais nous-mêmes comme avocats, comme institutionnalistes, nous ne pouvons pas craser l'institution. Parce que 80% d'avocats dans le Port-au-Prince fâchés pour mourir des notes ça là. Des notes chicanières ça. Des notes en la loi ça. Des notes discriminatoires ça. Mais nous-mêmes comme moun, comme Caleb Jean-Baptiste, ex-conseiller de l'ordre, avocat expérimenté, nous avons un problème. Problème qui ça? Mulat pa ki doit arrêter en Haïti. Moun ki fait partie de la bourgeoisie haïtienne pa ki doit arrêter en Haïti. Ki bon dans pays miya côté mettre Caleb ya, tout temps mettre Caleb Jean-Baptiste convivre. C'est garanti m'kabano. Mettre Caleb ki motive. C'est garanti m'kabano. C'est garanti m'kabano. Tout temps mettre Caleb Jean-Baptiste encore vivant. A toujours gagné gens d'arrestation ça yo depuis moun ça a violé la loi. Qui ont été riche depuis violer la loi, mettre Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter ou. Côté pauvre, depuis violer la loi, mettre Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter. Côté noir, depuis violer la loi, mettre Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter. Côté rouge, jaune, n'importe couleur, il y a depuis violer la loi, mettre Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter. M'a pas de problème avec mon rouge, m'a pas problème avec pièce couleur. M'a pas problème avec mon cap violé la loi. Je dis à la yo, on m'a formule la tabu. Mila tabu contre mettre Caleb Jean-Baptiste, m'a marié mon boule. Depuis que matière pour ça. De même, tout son nek doit être victime. Son mila qui victime, ma mari mila tatoué. A yon bagay quand même. C'est la loi m'a payé côté le violé. Pour ma vie. Pour moi qui t'a dit, yon prensak, son yon bagay bagay comme ça. Voilà, on t'a écouté déclaration Maître Caleb Jean-Baptiste. Coordonnateur général organisation résistance pour yon Haïti Estabak démocratique là, Rosemont Jean, les mêmes qui dénonçaient lundi 19 juin 2023 comportement bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, Maître Marie-Suzy Le Gros, face à Maître Caleb Jean-Baptiste après arrestation Yael Jorouane Claire Yezrek pour escroquerie dirigeant Fonodzla qualifié décision bâtonnier l'ordre avocat comme une action pour préjuger couleur. Dans ce sens, ancien allié président Jovenel Moïse l'a dit solidaire avec défenseur droit mounan Maître Jean-Baptiste sous question ça pendant le fait diverses révélations sous cela qui t'a gain droit de tremper dans la mort ancien bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince là Maître Montferrier d'Orval qui t'est mouru Bolakaili dans pèlerin 5 commune Pétionville, jour qui était 28 d'août 2020 passé à. En écouté déclaration, coordonnateur général Fonodzla, cap dit nous plus, un ami journaliste, TAC 509. Premier point, c'est ça qui passé, ce comportement, madame bâtonnière, maître Sisi Le Gros, à l'égard de maître Caleb Jean-Baptiste. Moi, en plein Caleb Jean-Baptiste, que Baro, Sisi Le Gros, je dis à monsieur Caleb là. Et c'est ça que fait m'a dit, tout n'est cap goumé, toujours été dans la classe, identifié classe ou. Identifié classe ou. Même quelle que soit circonstance, pigeon avec poule par jambe bien. Pigeon descend, vient dans la bouteille que gagne maille dans mitan poule, c'est les fals li pa gagne maille. Mais koul fin valé maille, la monté cabotant sur la campé et puis la demandé qui rapport gagne entre pigeon. Ça me le dit pas là. Lèm garder ensemble de action maître Caleb Jean-Baptiste mené dans 4 février 2021 dans signé acte procès-verbal constat assignation côté Camille Blanc, Sisi Le Gros, maître Caleb Jean-Baptiste fait pour empêcher yo te garder Ukel d'Abrésil moun qui te participé dans tentative coup d'état 7 février qui prend la bouti à assassinat Jovenel 7 juillet. Lèm garder comment yo te porter maître Caleb Jean-Baptiste sous tête pour jodi
Pour moi-même, mon sac t'a porté mettre Caleb Jean-Baptiste sous tête comme Seigneur, comme Sauveur. Chaque côté que bon bagage, c'est mettre Caleb Jean-Baptiste. Et puis je dis, pour prétendu, Milat, Sizi le gros, estimé, tout ça mettre Caleb Jean-Baptiste défense ensemble avec lui, pas rien. L'a priorisé, Yael, parce que Yael, c'est Grimel, pour lui-même, c'est Yael qui semble avec elle. C'est Ariel qui a même appartenance avec lui. C'est Ariel qui a même idéologie avec lui. Ça veut dire que M. Caleb Jean-Baptiste a perdu route lui. Et je dis à le déclarer. À la seconde, Caleb Jean-Baptiste m'a demandé barol, m'a demandé après sanction contre M. Caleb Jean-Baptiste. Mais ça qui est intéressant dans la question, ça, c'est un sujet aspect coopératif. Est-ce que nous connaissons un paquet de milat qui mettent aussi des bureaux dans le pays qui a ramassé l'argent en cachette sans aucun statut légal? Eh bien, Mme Yael, direct, c'est une monde qui a l'argent, un paquet malheureux, malheureuse, qui a de l'argent pour y'a, de l'argent scotte dans mes yeux. Madame n'a fait comprendre, il a joué un dollar, il a ramassé l'argent dans mes yeux. Et puis, qu'on y a système judiciaire, système mafioso dans le pays à protéger. Ça veut dire, les yeux prennent une décision contre Caleb Jean-Baptiste, c'est une décision contre tout le monde qui est cobre. Non mais madame la mafia que yo baptisé non yo le Yael. Attendez non. Wa bon non, c'est Wawel, elle fin pour cob la Wawel lui. Elle fin ramasser cob la dans même moun yo, dans même ti moun, dans même malheureux ak malheureuse yo, sou capable Wawel. Yo même yo tout bait ti tête yo ti non ça parce que konn c'est là ou t'a parler, yo tout bait ti tête ti non ti sou non ça. Yo dit Yael. Yael yo waw. Mais attendez, on dit mettre Caleb Jean-Baptiste arrêter. Non, mettre Caleb Jean-Baptiste pas arrêter Yael. M. Caleb Jean-Baptiste en tant qu'avocat ou ensemble d'avocats, il a fait des marches pour que la justice mette code en bas coup criminel, assassin sans foi ni loi. Et là, il connaît la réalité pays, hein? Parce que moi-même qui parle avec nous là, il y a des criminels notoires que la justice m'a mandat d'amener contre. Mandat n'a pas qu'à exécuter parce que mon yoga non. M. Caleb Jean-Baptiste, par fougue militance politique, il connaît qui stratégie pour le mener, et bien il mène une stratégie, il permet que la justice arrête madame. Je dis, hein? Étant donné, ensemble des mouns qui n'ont une série d'institutions nobles, parce que l'on parle barreau de Port-au-Prince, c'est une institution noble. Donc, tu as dit fédération des barreaux de Port-au-Prince, c'est une institution prestigieuse, une institution noble. Moun qui t'a donné, t'a donné de noblesse. Moun qui t'a donné, t'a donné inspiré de moralité. Moun qui t'a donné, t'a donné inspiré confiance. Mais nous connaissons, il y a des bagailles qui ne pas dit. C'est avocat qui dit, m'a pas dit. Il y a des bagailles qui passé. Que c'est au niveau bas ou pas au prince. Que c'est au niveau la fédération de pas au prince. Moun kap de jour. Moun de des dossiers de moun sa ou. Si m'ta la gueule, c'est la République. C'est soit ou tatouye mou bien la République ferme. Comme qu'on y a tout moun sans honte, bagay la passe inaperçu. Madame Sisi le gros, bâtonnier l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Li nan tête ba ou a, c'est pour yon tout fait dossier mon ferrier d'Oval la ou. Yon kebe Madame Sisi le gros parce que d'Oval, mon ferrier d'Oval, ancien avocat, rive fè yon recensement en dedans ba ou de Port-au-Prince, près de 300 avocats par une licence. Et c'est de moun ou pata, c'est de moun ou pata souhaiter, c'est de moun ou pata attendre. Sou kwen menti ou kamande Camille Leblanc sa bab du noir. Nous kamande ou paquet moun. Les gens disent, si vous quittez bagay sa sorti, yo pap ka, li pap ka réparer, yo entend yo tuer Doval. Et puis yo dit a fout Jovenel pour chay la. Et puis même quand tu as mettre organisation capé, yo dit nous c'est Doval. Mais c'est moun Doval qui tuer Doval. Leader Fonod la Rosemont Jean annoncé yon mouvement levé campé dans l'ouest ak nan nord pays ya nan date 7 juillet 2023 kap vini la ki pral marquer 2 l'année anniversaire assassinat ancien président Jovenel Moïse côté mercenaire étranger haïtien. Te assassiné la Kaili nan Pèlerin 5 commune Pétionville nan la nuit 6 pou l'ouvri 7 juillet 2021. Passé à yon mobilisation kap démarré en balimier la li nan Avenue Maternité King pou passe dans divers coins nan capitale la selon Rosemont Jean qui dit gen matraquage kap fait bon côté kek autorité judiciaire pou mal mené dossier justice ancien chef l'État. Plus de détails à coordonnateur général Fonodzla Rosemont Jean. Deuxième point, c'est pour nous parler avec nous sur commémoration qu'ap gen pour fête 7 juillet. Comme nous te connais, nous t'ai annoncé nous t'ap fait une tournée dans une série de grands départements et nous profiter et caméra, télévision, téléphone, média en ligne qui là pour me remercier ensemble de la cour, de gros la cour qui te recevoir dans le cadre de marche n'ap mené pour nous joindre justice pour Jovenel Moïse. Nous remercier moun k'ap diriger la Vélocan, nous remercier moun k'ap diriger Balembe, la cour Balembe, nous remercier moun k'ap diriger la cour Grande Sétane Charitable pour nous citer ça et toute l'autre la cour Souvenance tout côté qui t'a accueilli délégation, plusieurs délégations dans le cadre de mobilisation ça. M'ap di nous messieurs, dames, essayez de comprendre démarche nous. Démarche nous sont des démarches qui fondées
tout un ensemble histoire. Gagnons juge qui ont engagé dans dossier assassinat Jovenel Moïse. Pour nous-mêmes, malgré bonne foi, bonne volonté, juge la te ka manifesté, juge la trouvé en dans un cercle qui pas permettre li agir et âme et conscience. D'ailleurs, l'organe de ensemble d'assassins qui rentre côté juge Walter, yo montré yo tellement en confiance. Il y a une conférence dans le secrétariat juge là tellement en confiance. Alors que ces deux mounio, il y a des indices pertinents qui te permettent de juge là kembe moun sa. Deux ans après l'assassinat Jovenel Moïse, mounio était déjà arrêté au cas jeune yo gen moun, mais toute ces moun population clamé public là arrêté. Et bien dans cas Jovenel Moïse là, même lorsque on série de nèg a défilé devant juge là, mais c'est des défilés qui gont sorte des arrangements qui fait pour montrer gon bagay qu'a fait pour calmer furet, pour calmer colère, c'est des mouns qui ont confiance que vous pral blanchi yo. D'ailleurs, plus gros décision grande déjà dans le dossier Jovenel Moïse là, c'est dossier côté que pasteur te gen mandat d'amener, yo annulé mandat d'amener, yo mette en activité. Gen des leaders politiques qui te gen mandat d'amener, yo annulé mandat d'amener pour permettre yo reprendre activité. Gen des gouvernements qui là, son gouvernement qui a confiance, qui contrôle CSPJ, qui contrôle le parquet, qui contrôle la justice. En ce sens, pas d'espoir, nous pas d'espoir que juge qui là a capable, malgré bonne foi, malgré volonté, a prendre une décision pour voyer criminel Jovenel Moïse à juger. C'est non sans ça nous lançons une vibrante mobilisation. D'abord, commémoration. Nous rassemblé en bas lumière la lue, avenue Martin Luther King, pour nous rassembler tout le monde, ou même qui t'a participé, ou même qui t'a fait participer dans tous les Jovenel, sont pas de grande compte, indépendamment volonté. Vin dénoncer moun qui t'a évoqué. Ou même jodi a kap soufri, yo te di ou, après départ Jovenel, ou pral nan paradis, Haïti pral tourner Paris. Haïti pral tourner la Suisse, Haïti pral tourner pays dans le ciel. Et jodi a même manger, ou comment y a kidnappé ou, comment y a assassiné ou, comment y a tué petit tout, y a tué frère. Pas qu'à traverser Matisson, pas qu'à traverser Canaran, pas qu'à traverser Aloka, pas qu'à traverser aucun côté. Et bien, deuxième année, commémoration ça. Ou même dans zone côté, y habite dans zone côté Jovenel Moïse, t'a fait projet pour ou a rassemblé des 20 projets pour montrer pays, pour montrer le monde. Parce que avantage nous gagnons grâce avec en dehors de sans pas de comment dirais-je nous reconnaissons vers ensemble des médias dans médias traditionnels mais faut que nous les chercher faut nous les chercher grâce avec réseau médias en ligne yo que de côté presse traditionnel la patrie venant des sections communales avec grâce avec médias en ligne yo yo permettent plus population plus nous informer et bien nous capable côté qui Jovenel t'a fait usine à soit Alcampela, côté Jovenel t'a fait pont pour inachevé. Alcampela, côté machine, engin lourd, que nèg yo volé, m'pa konn si ministre kal volé pièce, c'est directeur kal volé moso. Tout côté nous connaît, te gon projet électrique Alcampela. Nous saluons Mounocap, militant sa yo, Mounocap sa yo te recevoir, qui gen nan tête li, mettre Borj là, dans cadre rencontre que nous te gen. Que nous apprenons. Et nous profiter pour nous dénoncer menace ancien magistrat Borj là a subi dans mes partisans Moïse Jean-Charles parce que monsieur ça a décidé pour camper mouvement dans ville au cap dans cap haïtien pour camper mouvement dans grand nord dans cadre célébration commémoration assassinat Jovenel Moïse. Voilà on t'a écouté intervention coordonnateur général Fonodzla Rosemont Jean. Sous ça qui gen pour avec question politique dans pays a directeur interne dans comité 100% diaspora Jacques Gary dit yo constater pays a prend un complot oligarque société civile à quelques organisations droit monde qui prend initiative pour plonger pays a dans plus crise d'après Jacques Gary qui t'a parlé qui t'a fait Kingston Jamaïque là c'était pour régler affaires poche yo face à situation ça dirigeant 100% diaspora mandé pour peuple prend destin en main pour yo capable commémorer de l'année assassinat ancien président et puis pour attacher yo à un mouvement Sri Lanka pour chavirer pouvoir ça qui là qui pas régler rien pour pays d'Haïti. Directeur interne comité 100% diaspora Jacques Gary. Peuple haïtien nous prend un complot, nous prend un mafioso, nous prend un marel, nous prend un agrément. C'est même c'est pareillement. Journée jodia, nous constatons clair ça qui a passé dans le pays. Et nous voyons qui moun qui mettait pays dans l'état ça.
Yo mette pays a non état pour yon tires. Yon tires 7 mois. Côté président Jovenel Moïse te vle pour tires ça arrive côté le doué rive. Eh bien, complot ça, c'est un complot Saint-Iron passé ici n'a rencontré. Et yo pas gen problème entre yo même oligarque corrompu ça yo. Yo pas gen problème entre yo même parti politique ça yo. Droit de l'homme ça yo. Société civile ça yo. Yo pas gen problème entre yo. Et bref, grand, pour nous ouais que yo pas gen problème entre yo. À travers deux jours forum qui t'est passé dans le Caribe, ils ont montré nous qu'ils n'ont pas d'entente entre eux-mêmes. Et à travers des réunions Jamaïque, nous venons ouais, vraiment vrai, peuple ça, les peuples capables de jouer une solution ensemble avec Vampisaro. Et bref, ça que nous voyons, nous voyons une réunion qui t'est fait Jamaïque là, ils ont voyé avion venir chercher eux. Et yo tout yo monté même avion. Et si t'es un mésentente entre yo même, m'pa croire yo t'ap monté même avion. Yo rive Jamaïque, yo voye bis vin chercher yo. Yo monté même bis là. Si t'es un mésentente entre yo même, yo pa t'ap jamais capable monter même bis là. C'est passé ici n'a rencontré et puis ou même qui comprenne, moun sa yo face yo bat là-bas, ou comprenne y a mené une bataille pour peuple et puis c'est bataille pour poche yo qui a mené, yo pa wè pays. Et c'est parce que yo pa wè pays qui fait yo arriver touye président Jovenel Moïse 7 juillet. Jounen jodi a, ensemble d'organisation yo, ki kwen nan changement, ki kwen nan rêve président Jovenel Moïse, eh bien moment, li rete ensemble avec nous pour nous prendre destin nous, pour nous dire l'amour président Jovenel Moïse, li pa passé inaperçu. C'est ça qui fait 7 juillet qui arrivé là, qui a fait 2 ans depuis yo assassiné président Jovenel Moïse, moment li rive pour nous wè moun sa yo, pour nous dire yo, yo même yo prend fin, yo pa ka diriger nous. Et 7 juillet ça, commémoration ça, n'a demandé même gens que nous-mêmes n'a fait chaîne solidarité dans toutes médias ensemble avec médias en ligne yo qui kembe justice président Jovenel Moïse là. C'est hier après commémoration nous quoi lien important pour peuple haïtien être capable marrer senti yo pour yo dire que yo voulez faire un silence parce que si nous pas faire un silence pour nous retirer système mafia ça qui plonge nous dans trou chaque jour et nous quoi seul moyen pour nous sortir dans situation ça c'est accepter pour nous gagner une justice internationale c'est pas justice pépès là qui gagne en Haïti là. Parce que moun sa yo te mette tête yo ensemble pour yo capable déchapiller nous et ça que nous après chaque jour nous wè gon média traditionnel qui préoccupe l'esprit majorité silencieuse qui préoccupe l'esprit la jeunesse qui préoccupe l'esprit diaspora yo qui vivent dans l'international là et bien nous mêmes qui en grand comité 100% diaspora nous dit 7 juillet bagay sa yo qui c'est pouvoir primatif ça yo doit fini pour peuple haïtien capable prendre destin et n'a pas des population sorti en grand nombre pas prendre pression moun sa yo empêcher nous qui mettons pas bouquet dans bouche. C'est le moment pour nous prouver que le président Jovenel Moïse, lui, c'est le président nous qui est capable de retirer nous en bas griffe à ça, c'est ça. Nous avons demandé aux peuples haïtiens de sortir en grand nombre, aller tout côté nous doit aller pour nous offrir une belle commémoration et nous faisons ça qu'on fait là, nous faisons c'est le seul moyen qui pour épargner le pays d'Haïti dans le système mafia ça. Parce que le grand monde, ça, il va là pour régler pour nous, c'est vos vide, son paquet. Deux chapillères sont pas qu'être esclaves et esclaves ça yo, yo là pour yo recevoir l'ordre, yo pas là pour yo faire rien pour le pays d'Haïti. La presse, nous croyons, commémoration ça, qui a venu 7 juillet, lui revient ensemble avec nous pour nous montrer, communauté internationale là, que nous comprenons qui joue de capacité et pour nous pour montrer, oligarques, que nous-mêmes, changement que nous voulons pour le pays d'Haïti, nous en bas, système mafia ça yo, nous qui moun ke yo, et nous voulons pas vle, nous croyons fort président Jovenel Moïse, lui jeune justice. Voilà, au tap côté directeur interne, comité 100% diaspora Jacques Gary. Dossier droit moun dans pays d'Haïti, migration forcée en Haïti cause conséquences et perspectives de solutions durables. C'est en baptême ça groupe appui pour rapatrier et réfugiés gare organisé une conférence en débat journée lundi 19 juin 2023 dans local yo zone Cressois dans centre-ville Port-au-Prince là activité ça réalisée en prélude dans journée internationale réfugiés cap célébré dans date 20 juin 2023 cap vini là objectif conférence en débat ça c'est pour sensibiliser public là sous problème migration en Haïti. Sam Guillaume, c'est responsable communication et plaidoyer gare, la pote plus précision dans micro Jacques Smith. Nous fait événement ça parce que tout simplement nous juger que l'important pour que capable on focus sur catégorie moun sa yo parce que yo en pile à travers monde là. Nous n'a pas les deux réfugiés, gagné à peu près 35,3 millions de réfugiés à travers le monde et gagné 62,5 millions de déplacés internes à travers le monde. Là. Et nous connaissons en Haïti comment la situation est dans le moment. Côté, il y a un pile de déplacés internes, il y a un pile de monde qui est obligé de quitter la caillou pour y aller vivre dans des camps
de espace qui n'est pas fait pour nous vivre, malheureusement. Malheureusement, question insécurité fait que nous sommes obligés de quitter le confort, de quitter la caillou, puis de vivre dans la rue. Ce n'est pas seulement question insécurité qui est la cause. Nous connaissons des catastrophes naturelles, des questions de la misère qui fait que nous quitter la caillou, mais dans le moment, c'est surtout l'insécurité qui fait nous connaître. On ne peut pas haïtien quitter la caillou à habiter dans d'autres zones. Gagner qui quitter la caillou, qui quitter le pays totalement pour y habiter, pour y chercher refuge en l'autre côté, mais il est important pour que nous gardions la catégorie ça qui se déplace à l'intérieur parce qu'ils vivent dans de mauvaises conditions, ils vivent dans des situations côté qu'ils n'ont pas qu'à faire face avec le soleil, ils n'ont pas qu'à faire face avec la pluie parce que c'est comme s'ils vivent à ciel ouvert et ils n'ont pas gagné aucune capacité pour répondre à un ensemble de besoins qu'ils ont gagné, manger, et baigner. Et y a pas gagné kit hygiénique rien du tout donc y a lagué pour contre et pas gagné aucune institution pas gagné aucune autorité et dans pays a qui conseille avec eux qui vini en soutien ensemble avec eux donc c'est ça qui derrière et activité ça que nous réalisons aujourd'hui hein, qui chita sur question cause immigration suite avec conférence on a bien un spectacle théâtral c'est un monologue une adaptation scénique de un roman qui est le Bébé Golgotha que Frédéric un auteur qui est le Frédéric écrit et c'est un roman qui mettait en évidence causer migration irrégulière en particulier causer boat people que nous connaissons qui causer en pile la mort pas bon ici et en même temps il mettait en évidence problème identité que n'a confronté dans le pays. Non causer déplacés internes nous pas vraiment un chiffre qui exact que nous capable bail mais nous connaissons que à travers le pays il y a plusieurs milliers de camps et chaque camp ça a abrité et plusieurs centaines de familles et malheureusement pas gagné on grand dans Kassayo qui jeune assistance dans les autorités locales sinon que quelques grandes organisations dans la société civile là qui fait des actions pour garder comment on est capable améliorer condition la vie moun sa yo mais qui pas suffit parce que quantité moun qui en situation de déplacer yo une quantité exagérée ça fait l'important pour institution qui concerné dans pays à voir causer ça capable mettre deux pays à terre et prendre travail en charge vini en support avec moun sa yo mettre des structures en place pour accompagner yo pendant y a pensé pour véritablement résoudre problème là parce que son problème insécurité son problème gang tribobabo qui malheureusement retire moun sa dans confort que yo yé. Rapatriement autorité dominicaine yo pas suspendre fait compte migrants haïtiens yo pas respecter convention République dominicaine signé dans affaire rapatriement selon responsable communication ak plaidoyer gala Sam Guillaume qui déplorait mauvais traitement migrants haïtiens yo toujours a subi en bas main autorité dominicaine yo. Yon le fait encore. On écoute Sam Guillaume, toujours dans le micro, Jacques Smith. Et ils ont fait en dehors de toute règle de droit, en dehors de toute convention que la République dominicaine signée dans le cause et rapatriement dans le cause et migration. C'est deux mondes que nous sommes capables de voir à travers les réseaux sociaux, comment ils ont subi un pile maltraitance. C'est deux mondes qui, en pile fois, qu'on perd la vie. En pile fois, on a regardé des vidéos côté Mounio, il y a battu, côté que rigole sans couler sous yo. Nous, ouais. Tout le monde voit que c'est dans le caloge de transporter les gens. Les gens n'ont pas accès à l'éducation en République dominicaine, ils n'ont pas accès à la santé et ils n'ont pas vraiment accès à un travail qui est digne vraiment. D'ailleurs, ils sont considérés comme de main-d'œuvre à bon marché et en pile poids, même qu'on ne peut pas payer, ils font faire le travail et ils arrivent pour payer l'immigration. Vine prendre moun sa yo yo rapatrié n'importe qui gens d'ailleurs avant yo mené on pas bon ici yo jeté en prison côté que yo fait en pile jour sans manger yo dormi à terre et puis en pile dans mesdames yo qu'on témoigner que yo subi viol dans main autorité migratoire et dominicaine. C'était déclaration responsable communication avec plaidoyer gala Sam Guillaume. À travers une note ambassade américaine dans Mété Deyo, il fait connaître que ambassade américaine dans pays d'Haïti qui situé dans commune Taba département l'Ouest Haïti en état d'alerte à cause bandi kabou kante koudzam ak la police nan kadyon opération anti gang force l'audio ap mené dans zone Torsel côté en pile coup de balle pas suspend tiré entre la police ak bandi dans plusieurs zones qui pas trop loin ak ambassade si la situation ça la cause ambassade américaine en état d'alerte déplacement tout personnel ambassade États-Unis obligé rete nan complexe résidentiel yo jusqu'à nouvel ordre selon yon note
institution SILA rend public matin lundi 19 juin 2023. N'a toujours été dans le département de l'Ouest, mais fois ça, n'a fait un coup de pied dans la ville Akaye. Côté que dirigeant yo fait qu'on est 19 avril 2023, 19 juin 2023, bah exactement 2 mois, depuis nèg exam, t'es attaqué localité sous Matlav. Vice-délégué arrondissement Akaye, Pierre Christian, déclaré situation sécuritaire région bouleversée en pile. Côté que l'imande pouvoir central régionaux dans bataille pour rétablir sécurité dans arrondissement Sila pendant y a augmenté effectif la police et puis pour bayo matériel nécessaire pour capable faire travail dans bonne condition. En suivant yon circuit ak Pascal Fleuristil depuis Villa Caillé. Vice-délégué arrondissement Akaye Pierre Christian Jean déclaré situation sécuritaire dans arrondissement préoccupé après 2 mois attaque nèg exam fait sous matelas. Moun toujours pas ka voyager, activité yo paralysé à cause nèg exam kap simé la troublaille sur national numéro 1. Vice-délégué a fait konnen gen réunion kap fait nan niveau région pour tablir yon plan sécurité. Toutefois, li kwè exécution plan sa dépend directement des volontés nan pi au niveau l'État pour établir sécurité dans tout arrondissement qui menacé de plus en plus ak présence gang yo sur route nationale la. Pierre Christian Jean mandé augmentation effectif la police la nan commissariat ak sous-commissariat nan arrondissement Akaye et puis ba yo matériel nécessaire pour yo capable bataille pour déloger pil nèg exam yo kap terroriser population an. Yon lot bo, vice-délégué a dit li gen la peine en tant que autorité pour la garder moun ki coincé nan région ki pa kapab déplacer et piti machan yo non plus ki pa ka al nan activité yo nan marché Kwabosal ak Kwade Bouke. Volonté nous même dans région an dwe volonté pouvoir en place là pour nous rive combattre insécurité dans toute région an. C'est ça Pierre Christian Jean déclaré depuis arrondissement Akaye. Pascal Fleuristil, TAC 509. Gagné une situation qu'a développé qui la cause diverses femmes déplacées qui n'ont abri provisoire dans la commune Akaye, yo même qui interpellé président de solidarité. Toutes femmes, ces femmes, sont tof. N'a parlé de Neldine Berthier, lui-même qui n'a tête organisation ça, et puis, qui c'est une militante féministe, lui mandé intervention gouvernement pour tabli bon gens conditions pour mesdames yo, dans abri provisoire ça yo, en attendant yo retourner la caillou. Yo la fois encore, Pascal Fleuristil, Abdino Plus, depuis Ville Akaye. Président de solidarité, toutes femmes, ces femmes, nan nan commune Akaye Neldine Berthier dénoncé face aux mesdames yo à vivre dans divers abris provisoires dans commune nan. Militant féministe lan fait konnen en pile mesdames sa yo qui gen ti bébé nan men yo, yo pa gen moyen pour occuper yo et en pile nan yo, yo pa gen kit hygiénique. C'est dans condition misérable moun sa yo à vivre. Dans sens ça, li mande intervention l'état central pour accompagner mesdames sa yo. En plus tout, li mande autorité communale yo pour prendre mesures qui nécessaires pour aménager abri provisoire sa yo, pour mettre toilettes, courant avec kit hygiénique pour mesdames yo, yon façon pour capable prendre soin ti moun yo et puis prendre soin tête yo. En attendant, li fait plaidoirie pour mesdames sa yo tourner la caille yo, mais avant ça, li mande faut que l'état prend disposition qui nécessaire pour établir sécurité dans cabaret Titanien sous matla et puis Canaran. Yon façon pour faciliter mesdames sa retourner la caillou. Bien avant ça, li mande faut gen un plan accompagnement pour mesdames yo surtout pour yo capable jwenn yon ti dégagé pour yo faire pour yo capable répondre ak besoin ti moun yo et puis besoin propre tête yo. Li kwè ke mairie pa gen assez de moyens nécessaires pour prendre soin mesdames si la yo. N'a fait songer gen plus passé 1000 moun ki tabli dans divers abri provisoires nan commune Cabaret qui a vécu situation qui extrêmement difficile. Yo pa gen manje, yo pa gen de l'eau, yo pa gen côté pour faire besoin yo. Depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. N'a fon coup de pied dans département la Tibonite pays a escombri pété nan mitan yon cellule résistance qui fait partie coalition anti gang sa vient dans la Tibonite. C'est à cause yon zam Miguel Josama. Josama te prêté, yon membre résistance, li te décidé à le chercher zam si la. Yon gros discussion éclaté, Miguel recevoit plusieurs balles en bas main yon soldat qui nan coalition ak li. Malgré ti mépris te couru l'hôpital ak Miguel, eh bien li rend dernier souffle nan l'hôpital
C'est là, Désir Venesse, depuis Rivière la Tibonite, Abdinoplis. Dimanche 18 juin 2023, Miguel Josama, membre coalition soldats paysans dans la Tibonite, Rivière perdit la ville, pas propre soldat qui fait partie, même c'est l'île résistance qu'elle a dirigé à Kende, ainsi qu'Oni, te prêté. Yon zam nan men Miguel pou l dal goumen face rezo gang gang grif nan sa vyen nan lokalite Bois la Ville. Miguel te deside al rekipere zam nan. Ayè dimanche lan, diskisyon pete entre Miguel ak Kende de lot soldat Kende te gen nan dol vide bal sou Miguel. Yon pral nan l'estomac ak yon pral de tèt malgré diligence responsable koalisyon ti mepri te fè pou te sauve la vi Miguel. Malheureusement, yon rive nan l'hôpital Blain, yon lokalite nan premier section ti rivye la Tibonite nan Jean-Denis, Miguel ran denye soufli. Population nan plizye zon kote Miguel kont bay koutmen nan batay kont gang gang grifla tankou Bélanger, Coupon, Chandel ak Liankou mande pou responsable koalisyon an mene anket pou kont ki sa ki la koz de soldat sa yo ak Kende mette fin dans la vie Miguel. Sa pat pran tan, chef coalition te pran 3 soldats sa yo pressé, li te descend nan quartier général pou tal poser aux questions. Par la suite, c'est l'île résistance qui nan barrage nan 3e section communale Marchand de Saline te vin chercher 3 messieurs entrer nan barrage ak yo. Pou jiska matin lundi a, personne pa konnen ki sa ke yo ba yo comme ça. Population nan région Balatibonit la montre se consternation totale après yo recevoir nouvelle lan mort combattant Miguel Josama. Désir Venesse, ti rivye la Tibonite, cité Crête Pierrot, tak 509. N'ap kite département la Tibonite pou nou fon coup de pied dans département Nord-Ouest pays côté que agent Ud Moyo dans département Nord-Ouest là qui cadenassé bureau directeur départemental police Nord-Ouest là lui Edner il y a 7 ans dans commencement week-end là c'est pour protester contre mauvaise gestion directeur a fait depuis installé dans tête boîte cela Jebson nan petit depuis ville port de paix dit nous plus agent unité départementale maintien d'audio cadenassé bureau direction départementale police nord-ouest là monsieur yo déclaré yo bouqué yo pas capable encore alors que gen gros soupçon corruption qui blaye sous direction départementale police nord-ouest là policier qui cantonné dans zone là pas suspend point patasuel nan men bandi grand chemin c'est dans avec ça Ud Moyo leve voyo pour capable dénoncer mauvais traitement yo passé sponsibi en bas mais directeur départemental là monsieur Louis Edner Yacinthe agent unité départementale métier d'audio yo mandé la main forte bon côté population hein côté yo faire connaître yo bouqué et au même rivé taqué barrière espace qui loge direction départementale là nan commencement weekend nan bandi attaqué avec gros armes lou bakop police là nan port de paix nan localité Savane Carré pas loin Tibradom côté gayon policier qui s'est touché et puis plusieurs vite nan bakop là ta s'est fait Mikalao en bas am bandi policier qui touché a té obligé al prendre soin nan un centre hospitalier nan département Nord-Ouest là attaque ça levé plume sous dos agent Ud Moyo et malgré gros frappe ça si nous quoi quelques agents directeur police là pas mandé agent Ud Moyo quitter nan patrouille là qui nouvelle yo pote selon une source policière actuel directeur police nord-ouest là pour que j'aime faire rencontre avec yo depuis que lui même les rentré dans tête police là dans département nord-ouest là ça la cause divers policiers mécontents et même mandé départ directeur Jebson Petit Port de Paix tac 509. Individu pièce moun pa arrivé identifié criblé ak balle chez les Siméon qui gen 20 l'année sous tête li un citoyen ça lui-même qui tape vive dans commune Saint-Louis du Nord département Nord-Ouest pays qui té yon gwamè nan bouche quelques citoyens dans localité ça qui c'est yon incident regrettable qui rivé nan moment jeune gens t'après le prend yon ti bain nan yon rivière tout près la Kaeli Jebson nan petit te répond nan présent nan cadre incident cela pour tax 509. Habitants qui vivent dans Saint-Louis du Nord passent span côté cadavre côté nan finissement week-end nan individu pièce moun pa rivé identifié criblé en babal yon jeune garçon 20 l'année qui pote nom Simeon Chedley. Incident regrettable ça arrivé dans intervalle 10h dans la soirée dans moment jeune garçon ont senti chalet li al prend un petit bain dans rivière qui tout près
D'après quelques riverains, Chedlet a gagné en possession li yon motocyclette, l'agent rad ata sandal ki nan pile chevalier de nuyo allé avec li tout sa qualité possédée. D'après quelques riverains qui continuent faire connaître, ta semblé victime nan te accompagné yon fille côté yon joint yon graine sandal fia bon côté. N'a pas rappelé, ça pour gagner un mois depuis bandi exam ta fizye yon businessman ke en pile moun konnen nan Saint-Ludino ki pote nan déjà Libéris. Nan tout département l'Ouest lan, spécialement nan Saint-Ludino, en pile moun constaté Saint-Ludino tourné en zone rouge côté population pas suspend crier. Tout incident sa yo a privé en basé autorité au dans département nord-ouest là. Nous voulons parler de la justice avec la police. Depuis commune Saint-Louis du Nord, Jebson Petit, TAC 509. N'a traversé dans le département nord-est PIA. Dans le cadre d'une rencontre avec la presse vendredi qui était 16 juin 2023 dans la clinique Université Wanamet, juge de paix, suppléant tribunal Wanamet, Renaud Pierre qui était dressé constat légal, moun qui était mort dans l'incident qui était produit dans la compagnie industrielle Développement Côte d'Ivoire. Jeudi qui était 15 juin, pour explication sur l'incident, si la juge Renaud déplorait façon yoté traité cadavre victime. Li fait connaître l'hypoco kabaya yon bilan exact sur quantité moun ki victime dans incident qui était produit dans date 15 juin qui était passé à ni rivé identifier qui unité dans la police là qui tirait moun qui était perdu. Juge de paix a mandé autorité qui pral assurer poursuite dossier si là pour utiliser caméra surveillance espace là pour identifier coupable pendant le fait connaître gain deux sous-commissariats qui boulé à plusieurs autres matériel qui détruit. En écouter déclaration juge Renaud Pierre lui-même qui était dans micro correspondant TAC 509 dans département nord-est là chez nous Rosseny. Incident qui était passé hier, c'est un conflit entre sécurité et Côte d'Ivoire et ouvrier, pour sécurité, traiter yo en l'autre façon. Par le fait que, gen, des fois, on a traité avec sauvagerie. Tant que les absoutis, il a pas le yo, les plus rentrés, ils ont fait autre exigence par rapport à dans sa vie par avant. Mais pour hier, ouvrier, ou gen les victimes à plusieurs reprises de ça, et c'est ça qui provoque une altercation hier. Yeah. Et ça, et la cause, il y a deux personnes qui mourent, recevoir Katouf, et en dedans de vie même, il y a un qui vient mourir en dedans du centre funéraire, qui est un mineur de 15 ans, et il y a l'autre monde encore qui est victime, en plus, il y a 14 motocyclettes qui brûlent, deux sous-commissariats, yon qui est dans le côté de yon qui en bagarre a brûlé, gagne un tracteur qui brûlé, gagne l'autre bagaille que moun yo emporté ou vandalisé. Mais quatre informations, qui est-ce qui va tirer sur moun yo juste avant la tête de moun? Jusqu'à présent, nous n'avons pas établi qui. Qui m'ont tiré. Mais il y a trois groupes armés en dedans. Il y a sécurité Côte d'Ivoire qui est armée, il y a Polifront qui est armée, il y a Humo qui est armée. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore des preuves, des témoins. Des témoins qui viennent faire des déclarations, qui viennent pour prouver que qui est-ce qui a fait action ça. Mais je dis que ça va à la base, c'est que c'est des gens qui vont entrer avec Pagalo Chiré et que Akla va accepter. Parce que c'est un cas pareil. Donc, vous dites à monter avec Pagalo Chiré et puis sécurité va empêcher d'entrer et puis discussion va commencer là. Véritablement, tu as un incident comme ça qui est produit, côté où vous êtes recevoir, il y a un homme qui personne de recevoir coup. Il y a de cela un mois, jour pour jour. Mais c'est même bagaille ça, parce que tu étais passé, tu étais battu pour dans l'estomac, c'est qu'il était bien coup. Vous voyez côté que tu es offusqué
de comportement ça. Et c'est ça qui provoque, qui fait le dernier groupe de l'eau qui vous remplit vase là, qui fait que l'incident arrive. Et nous avons demandé pour la sécurité côté ville, la nouvelle sécurité, côté sécurité qui est venu là, qui est violent envers vous, pour être capable de sauver, pour ne pas traiter tant que c'est des cannibales. Parce que les gens là, ils viennent travailler, ils viennent faire force courage. Lui, et que là, ils viennent faire force courage, ils n'ont pas de propre exigence pour faire. Mettez qu'on a des bagages qui passent dans le temps. Parce que ils palpent, ils ont palpé, parce que les gens qui travaillent dans sa ruine, textile, côté toile liée. Les gens qui ont choisi avec chemisette, sur eux. Chemisette qui sont préparées en dedans compagnie. Les chemisettes ça y a. Là, ils ont mis plusieurs chemisettes pour voler. Et c'est ça qui vient de la cause que la sécurité a parlé souvent. Et c'est ça qu'on y a eu dans le temps antérieur. Pas comme bien ça. Comme ça, c'est ça qui fait que les gens révolté contre la sécurité. Et c'est ça qui vient de provoquer. Incident majeur qui conduit à la vie, à perte de vie humaine. Des gens qui mourent dans Côte d'Ivoire, c'est qui a sué? Les gens qui mourent dans Côte d'Ivoire, c'est Datilus, Winner, et a gagné un certain Gerli, passons vite tout là. Dernier secours. Oui, c'est ça. Les gars, après constat, les gars, qui suit par le César? Bon, nous ne connaissons pas qui suit parce que le tribunal de femme, qui sont au tribunal de paix, nous l'avons vu, c'est comme ça seulement. Nous ne parlons pas pour nous prononcer sur ça. Parce que gagner en vie humaine, c'est pour chercher à découvrir le coupable pour la justice. Et poursuivre. Parce que gagner une caméra qui était déjà en marche. Et qu'à partir de la caméra, il a établi le monde qui fait infraction. Je ne sais pas si c'est Polyfront. Si c'est agent de sécurité, si c'est Hugo. Face à la fond coup de pied dans le département NIP PIA et c'est la tour, nous avons mis un bout dans le journal TAC 509 qui est première sortie pour semaine porte-parole organisation jeune pour refondation NIP. Nous avons parlé de Blanc Théodore, les mêmes qui demandaient à toute autorité dans le PIA pour chercher joindre en tente qui permettre de joindre une solution à ce problème PIA fait face en suivant un circuit à correspondant TAC 509. Claude Clercin depuis Miragouane. Organisation Jeune pour la Fondation NIP, Ogéré NIP, célébré premier anniversaire existence pendant week-end nan Miragouane, en présence plusieurs dizaines membres organisation SILA qui sorti dans toutes 11 communes département. Porte-parole organisation en Blanc Théodore, dans intervention, lancé un appel by toute autorité dans département NIP pour porter coller ak yo dans vision changement yo gagné. Pour arriver à porter une amélioration dans divers problèmes département à faire face. C'est une occasion tout pour porte-parole là lancer un message par responsable HTCA Milan Hippolyte Maniga pour prendre responsabilité pendant la mettre force sous lui pour arriver mettre toute force vive nation ensemble pour arriver joindre une solution à divers problèmes pays à faire face. Porte-parole là profiter occasion pour féliciter président HTCA pour être l'été faire équil pour pas participer dans la réunion qui était faite dans le pays Jamaïque là, selon Blanc Théodore qui papote en yen sérieux pour pays a. Porte-parole au Jérémy Plan, Blanc Théodore souhaitait toute autorité ou nécessité qui gagne pour yon joindre une formule pour arriver à résoudre différents problèmes pays a à faire face journée jodi a. Depuis Métropole Nip Miragouane, Henri-Claude Clessin, TAC 509. Toujours dans la ville Miragouane, responsable bio dans la direction départementale la police NIP a présenté bilan travail réalisé sorti dans la date 24 avril pour arriver 23 mai 2023. Pendant la période ça, la police interpellé 86 moun sous 82 cas qui enregistré. Porte-parole police NIP Astrel Calix fait connaître y aurait poché moun sa yo pour ka viol, vol ak association malfaiteur pour ne citer sa yo seulement. Astrel Calix, c'est porte-parole police nationale NANIP, l'abdi plus, nan micro correspondant à 509, Claude Clercin depuis Ville Miragouane.
Jeudi, qui c'est 19 juin 2023, et nous présenter nous par devant la presse pour nous capables de communiquer avec la population Niplan dans le cadre de travail que la police a entrepris pendant la période sorti 24 avril pour arriver 23 mai 2023. Dans souci pour nous capables toujours être plus proche de la population et pour nous capables de faire le département Niplan, tant que j'en ai toujours dit, comme un département modèle et moderne en matière de sécurité. La police, dans toute opération qu'elle menait, arrivait à interpeller 86 personnes dans la période ça, sous 82 cas qui enregistrés. Et cas ça a reparti comme ça. Nous gagnons meurtre par balle, nous gagnons seul cas enregistré, mais nous pas arrêté monde. Meurtre par arme blanche, 5 cas enregistrés. Blessure par arme blanche, 3. Assassinat, 4 cas d'assassinat, nous arrêté 6 personnes. Tentative d'assassinat, 6 et nous gagnons 4 cas qui enregistré comme tentative d'assassinat. Et 5 personnes interpellées. Complicité d'assassinat. Yon ka enregistré et non interpellé yon moun. Détournement de fond. Yon ka enregistré, n'interpellé yon moun. Association malfaiteur. 5 ka enregistré, 10 moun interpellé. Détournement mineur. Yon ka enregistré, 2 moun interpellé. Viol. 2 ka enregistré, 2 moun interpellé. Agression sexuelle. Yon ka enregistré, yon moun interpellé. Empoisonnement meurtre. Nous gagnons. Yon ka enregistré. Et 3 moun interpellé. Pendaison, nous gagnons un cas risqué. Et vol, 9 cas risqué, 9 moun interpellé. Menace, 2 cas risqué, 2 moun interpellé. Abus de confiance, 7 cas risqué, 7 moun interpellé. Escroquerie, 5 cas risqué, 5 moun interpellé. Diffamation, yon cas risqué, yon moun interpellé. Voie de fait, 6 cas risqués, 6 moun interpellé. Coup et blessure, 3 cas risqués, 3 moun interpellé. Nous gagnons 5 dossiers, c'est-à-dire 5 enquêtes qui sont en cours. Et nous gagnons 10 moun que nous interpellé dans le cadre d'enquête. Outrage, nous gagnons 2 cas risqués, 4 moun interpellé. Découverte de cadavres, 6 cas risqués et 7 moun interpellé. Dévastation des champs, 2 cas enregistrés, 2 moun interpellé. Nous gagnons seulement un cas d'accident de la circulation. Nous pas gagnons un cas de blessure et nous pas gagnons un cas de mortalité. Au total, nous gagnons 82 cas enregistrés, 86 moun interpellé qui actuellement là a poursuivi judiciaire. C'est là nous mettons un bout à la première sortie journal TAC 509 là. Merci à tous les amis internautes qui t'ont choisi brancher plateforme c'est là pour nous être capable d'informer. On sorti lundi pour arriver vendredi journal ça t'est arrivé possible grâce à journaliste à technicien TAC 509 pour te présenter au journal ça c'est moi-même Luc Albert Beaubois. Bye bye tout le monde, on se voit demain pour un autre journal.